ça, la bagnole? Non, c'est un arc-en-ciel à roulettes. Bah non, je déconne. C'est un pote qui me l'a prêté. Oh putain, ça commence bien. Madame Bourlet? Madame Bourlet. Madame Bourlet. Madame Bourlet. Et tout se passera bien. Tu vas continuer d'avancer gentiment. Hein? Ok? Hopin! Où ça? Je suis désolé. Oh bah, cool. Teamwork, hein? Tu peux me dire pourquoi t'es fragué comme ça? Bah quoi? C'est comme ça qu'on s'habille, non? Et qui ça, on? Bah nous! Les gangsters, quoi. On est en Belgique, ici. Pas à New York ou Los Angeles, on n'est pas dans un film de Tarantino, on est en Belgique, tu sais ce que c'est? La Belgique est un petit royaume coincé entre la France, l'Allemagne, le Luxembourg, la Hollande et la mer du Nord. Sa superficie est de 30 528 km². Le pays compte trois langues nationales, le français, le néerlandais et l'allemand. Sa devise est l'union fait la force et sa capitale est Bruxelles. Il y a six gouvernements différents dans ce pays, qui est aussi celui du surréalisme. En 2010-2011, la Belgique a connu une crise sans précédent. Le pays est resté sans gouvernement pendant 541 jours. Et personne n'a remarqué la différence. C'est juste une petite erreur. Mais bon sang, Wilmot, ça fait je ne sais combien de temps que vous bossez sur ce dossier sur base d'un fichier erroné. Non mais il faut dire qu'entre le dossier CG008/9B et le dossier CB008/9D, moi parfois je m'y retrouve pas. Oui, vous êtes payé pour vous y retrouver, hein. C'est une faute inadmissible. En plus, les deux documents sont de couleurs différentes. Le CG008/9B est rose et le CB008/9D est saumon. Vous êtes daltonien en plus d'être con. Mais non, mais c'est juste que... C'est juste que vous allez prendre vos affaires et dégager. Vous pouvez pas me virer pour ça? Ah non, peut-être. C'est qui le patron ici? C'est moi le patron. C'est moi qui décide. Et estimez-vous heureux que je vous fasse pas payer tout ce que votre gaffe a coûté à la société? À ma société. Mais monsieur, ne quémandez pas. Déjà que vous êtes pitoyable, devenez pas pathétique en plus. Monsieur, j'ai entendu qu'ils allaient fermer notre maison là, c'est vrai ça? Ouais. Même après ce que vous avez fait? Ben, surtout après ce que j'ai fait. Il le méritait, ce connard politicien. On va faire quoi nous maintenant? Je sais pas, dealer la drogue, braquer une banque. Non, je déconne. Non, surtout faites pas de conneries, sinon tout ce qu'on a fait ensemble, ça aurait servi à rien. Promis, monsieur, je vous jure.
peux donner à manger à Salvatore Adamo? Papa? 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 Tu as donné à manger à Salvatore Adamo? Hein? Quoi? Rien. Tu m'emmèneras un jour là-bas, hein? Un jour, oui. Ta maman et moi, on rêvait de s'installer sur une de ces plages. On aurait voulu te voir grandir là-bas, mais... T'aurais rien pu faire. Ce genre de maladie, ça gagne toujours. Elle était belle, ta mère, tu sais. Je sais. T'es déjà là, chaud. Ça va? T'es malade? Je suis viré. Comment ça, t'es viré? Viré? Jeté comme une vieille chaussette, comme une merde. Mais pourquoi? Saumon. Pardon? Tu savais, toi, que saumon, c'était une couleur? Oui, enfin, c'est rose, quoi. Et voilà. Vous êtes daltonien, vous êtes con. Et t'as été viré à cause de ça? J'ai confondu deux documents dans un dossier. Un petit péqué. Tu dois prester un préavis? Même pas. J'ai droit à rien. Comment ça? Ce salaud de Bourlet. Il dit que c'est une faute grave. Une faute grave, mais il faut aller voir ton syndicat. Ça servira à quoi? À te défendre, tiens. Mais j'ai aucune chance. On a toujours une chance. Et tu comprends pas, Bourlet, il a les meilleurs avocats, les meilleurs comptables. Il est inattaquable. Alors que moi, je suis pitoyable, il paraît. Ou pathétique, je sais plus. Personne n'est inattaquable. Ben si, lui, il l'est. D'ailleurs, s'il l'était pas, ça ferait longtemps qu'il se serait déjà fait dénoncer. Dénoncer? Mais pour quel motif? Il détourne des fonds de sa société. Mais quoi? Mais comment tu sais ça, toi? Ben, tout le monde le sait, c'est un secret de Polichinelle. D'après Jérôme, qui travaillait à la compta, il aurait déjà planqué 500 000 euros dans son coffre. À la banque? Ben non, pas à la banque. C'est de l'argent qui n'existe pas. Dans son bureau, dans son coffre. Ce qu'il faudrait, c'est que quelqu'un lui pique son pognon. Mais pourquoi tu lui piquerais pas, toi? Pourquoi je lui piquerais pas? J'ai dit ça comme ça, moi. Enfin, ça fait 11 ans que tu travailles là-bas. Tu connais bien les bureaux, tu connais les horaires de tout le monde. Arrête, maman. Et puis quand bien même, je l'ouvre comment, moi, ce coffre? Il faudrait forcer Bourlet à l'ouvrir.
pas mort. Je fais quoi? J'arrive chez lui, dans son bureau, avec le couteau. S'il vous plaît, monsieur Bourlet, ouvrez-moi votre coffre et passez-moi votre pognon. Ah ben non, oui, c'est pas vraiment crédible. Oui, et si on kidnappait sa femme, et puis après on lui demande une rançon? Maman, tu regardes trop la télé. Oui, je sais. Je ne sais pas ce qui m'a pris, Stacy. Pardonne-moi. Avoue que c'est une manœuvre pour garder l'héritage de votre pauvre père. S'il savait. Ça le tuerait. C'est totalement incorrect, Stacy. Tu te trompes. Lucie et moi, nous aimons depuis... Oh, le repos du guerrier. Parce que t'es un guerrier, toi. Hmm? Absolument. Un guerrier des temps modernes qui achève ses ennemis à coups de C4. T'as encore viré des gens? Hmm? Ce crétin de Wilmot. Ça faisait un petit moment que je l'avais dans le collimateur, ce nain. Et aujourd'hui, bam! Bye bye, Wilmot le Hobbit. Et j'imagine que tu t'es arrangé pour que ça ne te coûte pas un centime. Mais parfaitement. Faute grave. T'es un sale con. Ouais. Mais un sale con, Harish. C'est pas toi qui vas t'en plaindre, hein? Vraiment super bonne ta soupe. Et ton travail? Ça va? Ouais, ouais, ça va. Papa? Je veux pas crever ici, fils. Pas dans ce pays où la seule musique est le bruit de la pluie sur les vitres. La Belgique est reconnue mondialement pour ses grands auteurs de BD, mais possède aussi des stars musicales. Jacques Brel, évidemment, mais aussi le grand Jojo, Arnaud, Stromae, sans oublier Sandra Kim qui, en 1986, à l'âge de 13 ans, a gagné l'Eurovision. Notons également que fin des années 80, c'est en Belgique que s'est créé le mouvement de la New Wave. Et il ne faudrait pas oublier non plus notre ami Cordier National qui a dit un jour « La Belgique est un pays où s'il ne pleut pas, c'est qu'il a plu ou qu'il va pleuvoir. » T'exagères. Il n'a pas fait si moche aujourd'hui. Franchement, Minou, tu devrais y réfléchir. Parce que tu me vois, moi, kidnapper la femme de mon boss? Ton ex-boss. Oh, oublie. Mais rien ne dit que c'est toi qui dois le faire. Comment ça? Justement, c'est même mieux. Comme ça, Bourlet ne pensera pas que t'es impliqué. Est-ce que t'en connais, toi, des kidnappeurs? On pourrait demander à mon frère. Ton demi-frère. C'est pareil. Ouais, enfin, je te rappelle que ton demi-frère n'est pas gangster, il est comédien, il kidnappe pas des gens, il fait du théâtre. Il y a quelque chose de pourri au royaume de Belgique. Enfin, il fait des trucs sur scène, quoi. Mais justement, c'est bien. Comme ça, il entrera mieux dans la peau du kidnappeur. Il n'est pas si mauvais, tu sais. Oublie, Minou. On n'est pas dans un Scorsese. J'ai l'impression plutôt d'être dans un Dardenne. Hé, hey, on s'aime. C'est déjà ça. J'ai levé, toi. On va le faire. Quoi ça? Kidnapper la femme de Bourlet. T'es sérieux? Ouais. Je vais appeler Michel. Il pourra sans doute nous aider. Tu veux que Michel la kidnappe? Mais non, mais Michel est avocat.
Il connaît certainement des gens qui ont l'habitude des mauvais coups. Ah ouais, ça se tient. Bonjour, mon petit sucre. Hey, salut, toi. Ça va, je te réveille pas? Non. Dis donc, t'auras un petit peu de temps sur l'heure de midi? Oh, mon lion, ça tombe mal. Ce soir? Ce soir... Je me démerderai. Bon, à tout à l'heure, alors. Ouais, ce soir. C'est encore la tirelire? Bah oui. Elle abuse un petit peu, là, non? Oh, parce que nous, on n'abuse pas, peut-être. Hein. Oula, j'en sais rien, moi. Attends que je réfléchisse. Ah? Ouais. Ah, peut-être que... Tu sais, le mois dernier, j'étais produit pour un gars. Pas mauvais bougre, hein, mais bon. Qu'est-ce qu'il avait fait? J'imagine que t'as dû entendre parler de ce politicard véreux qui s'est fait cogner. Ouais, enfin, comme tout le monde. Non, c'est lui? Ouais. Mais il est violent. Pas spécialement, mais si tu veux, ce type-là, ce Bernard, hein, il travaille dans une maison de quartier, tu vois, avec les jeunes et tout ça, là, tu vois. Et en fait, ce politicien a arrêté de leur donner des subsides. Du coup, c'est à cause de ça qu'ils ont dû fermer les portes. Ah, du coup, je peux pas lui en vouloir. Bon, ceci dit, il n'a pas un passé non plus très très rose. On parle pas de rose. Tiens, tu savais, toi, que saumon, c'était une couleur? Bah non. C'est un poisson. Ben voilà. Bon, et ton gars, là? Il s'est racheté une conduite, comme on dit. Et puis, il s'occupe de son père, qui est très malade. Mais on peut lui faire confiance. Laurent... Faire confiance à des types pareils? Hmm? Mais tu peux me le présenter? Je vais voir ce que je peux faire. Bien sûr de vouloir faire ça. Écoute, d'une manière ou d'une autre, Bourlet, il faut qu'il paye. Bon, c'est toi qui vois, hein. Quoi? Tu veux pas ton chocolat? Le Belge consomme environ 8 kg de chocolat par an, l'un des taux les plus élevés dans le monde. La Belgique produit 172 000 tonnes de chocolat par an, principalement pour l'exportation. Le chocolat est l'un des symboles de la qualité belge dans le monde. On pourrait aussi parler des spéculoos ou des cuberdons, véritable institution de l'art culinaire belge. Je te protégerai. Si le shérif veut nous mettre en prison, nous partirons ensemble. Vite. Allô? Oui, ah oui. Comment? Ah, bon, d'accord. Ils sont devant la porte. Mmh. Salut Laurent. Bonsoir Charlotte. Bon ben, je vous présente Bernard. Bonsoir Bernard. On se fait la bise, hein? Ah, installez-vous. Installez-vous. Oui, c'est par ici. Maître Jérôme m'a dit ce que vous vouliez faire. Ah, oui. C'est-à-dire que... Vous pouvez nous aider? Il y a combien dans ce coffre? Je sais pas, beaucoup. Beaucoup comment?
D'après Jérôme, Jérômier, qui bosse à la... Enfin, d'après Jérôme, il y aurait autour de 500 000 euros. Oui, et c'est pas rien. Ok. Quoi qu'il se passe, j'en veux 100. Euros ? Non. Non, je pense qu'il veut dire 100 000. Ah, oui. Oui. C'est moi qui prends tout le risque aussi. Bon, ben... D'accord. Par contre, on pourra pas vous payer tant que Bourlet nous a pas donné la rançon. Ouais, en même temps, c'est à moi qui va la refiler, la rançon. Ah bah oui, Minou, c'est vrai, ça, quand même. Ouais. Par contre, s'il n'y a pas assez dans le coffre, vous vous démerderez pour me payer quand même. On est bien d'accord ? Oui. Enfin, quelque chose de... C'est normal. Très normal, c'est très normal. Mais de toute façon, rassurons-nous, le coffre, il est blindé. D'argent, il est blindé d'argent. En fait, ce que je voulais vraiment dire, c'est donc quand vous avez l'argent, qu'est-ce qui nous dit que vous nous le donnerez? Mais moi j'ai une idée, on va demander à mon frère de l'accompagner. Je préfère pas, non. Réfléchissez, Bernard. Hein. Ces braves gens ont besoin d'une sécurité, d'une assurance. Enfin, c'est normal. Mmh. Hein. Puis c'est une occasion en or. Si je puis dire. Sans ça, où est-ce que vous allez trouver l'argent dont vous avez besoin ? Oui, parce que, voyez-vous, Bernard a un très beau projet. Ah oui ? Et c'est quoi ? Ça vous regarde pas. Bon, votre frère, là, il a l'habitude des mauvais coups. Oui, vous pouvez lui demander ce que vous voulez, il le fera, il a l'habitude, il écoute bien. C'est très important pour son métier. Il fait quoi ? Il est comédien. Oh putain. Bon, vous avez une photo de la nana? Une photo? Non. Elle est pas sur Facebook, Twitter, Instagram, ce genre de conneries? Ah non, c'est vraiment pas trop le genre. Non, c'est une belle femme, type classique, avec des cheveux foncés. Ah oui, à tous les jeudis, elle va au restaurant de son meilleur ami, le coriandre. De la coriandre. Alors, je vais vous écrire l'adresse du restaurant. Hein. Puis, je vais vous mettre le numéro de téléphone de Alain. Alain, c'est le frère de Charlotte. Oui, c'est mon frère, Alain. Et alors, je vais vous mettre le portable de Bourlet. Et puis, le mien. Voilà. Puis, mon frère, il la reconnaîtra. Il l'a déjà vue. Il a une bonne mémoire, hein, forcément, comme il est comédien, tout ça. Votre frère, faut que je le rencontre. Ah bah justement, ça tombe bien. Attendez. Il fait un spectacle pour le moment. Voilà. Alone on the platform, the wind and the rain on the sand, a lonely face. Mother will never understand why you had to leave. Voilà votre café, Hortense. Ça. Oui.
mets deux cafés, Juju, s'il te plaît. S'il te plaît. Viens. Alors, comment ça va? Depuis tout ce temps. Ça va, et toi? Ça va. C'est pas toujours facile. Mais bon, ça vaut mieux que notre ancienne vie dehors la loi. Et puis, on n'a plus 20 ans. Ça. Dis, j'ai entendu pour la maison de jeunes, et ce politicien que t'es mis KO. Ah ouais. T'as peut-être changé de vie, mais t'as pas changé de tempérament. T'as pris combien? Juste une centaine d'heures de travaux d'intérêt général. Tu t'en sors bien? Ouais. Et tu vas faire quoi? Bah, une centaine d'heures de travaux d'intérêt général. Non, c'est pas ce que je veux dire. Tu vas pas revenir à nos anciennes amours. Paul. Tu sais, parfois ça me manque. Cette adrénaline, enfin tout ça, c'est de l'action, c'est tout, tout. Bon, écoute, tu vas pas encore embarquer mon Polo dans tes combines, hein. Je... Parce que maintenant, mon Polo, c'est un homme honnête. Il a toujours été honnête. Oui, tu vois très bien ce que je veux dire. Faut pas me dire que t'as traversé la ville juste pour boire un café. Juju, tu peux pas laisser de vieux amis parler tranquillement? S'il te plaît. Ben, elle a pas tort. C'est pas pour le café que t'es là. Le baron, il est toujours en activité. T'as des problèmes? Non, t'inquiète. Alors pourquoi tu veux savoir? Toi, tu vas faire une connerie. Paul. Tu crois vraiment qu'on peut changer? On peut faire semblant, tout au moins. Pourquoi t'es venu jusqu'ici? Écoute-moi bien, Bernard. Je sais pas ce que tu mijotes, mais... Bernard Avril. Le retour de l'enfant prodige. Tu devais pas aller à Tahiti? T'as pas réussi dans ta nouvelle vie, c'est ça? T'es sur un nouveau coup? Luc, s'il te plaît. S'il te plaît, c'est avec ta femme. Avec moi, tu te tais. Alors? Ok. Qui ne dit mot est conscient. C'est quoi ce nouveau coup? Tu pourrais t'en faire profiter tes anciens collègues? Écoute, s'il te plaît, je te l'ai déjà dit mille fois. Hein, si c'est un endroit convenable, je vais te demander de t'en aller. Ouais, ouais, ouais. Allez, accouche. Et tu me connais, hein. Je suis muet comme une carte. Je vais te le dire gentiment. Dégage. Non, mais... tu te prends pour qui? Faut pas péter plus haut que son QI. Hein. Moi, je sais d'où je viens. Ouais, ce serait bien que t'y retournes. Le gars, il arrive là, avec ses grands airs. Fier comme D'Artagnan. Non mais tu te prends pour qui, hein? T'es quoi? Tu penses que t'es plus que nous? Luc, Bernard est juste venu dire bonjour. Mais mon cul, c'est du petit lait. Tu vas la fermer, ta gueule! Bernard. Maintenant tu sors, t'emmerdes tout le monde. Ça... pas tomber dans l'oreille. Mais quelle bite. Nana, je crois qu'il vaudrait mieux que tu partes. Connais. Oui. Justement.
respire, Luc, respire. Ça va? Et va t'acheter un dictionnaire des citations. Tout comme tu l'as fait pour Judy et Nancy. Elle s'aimait d'un amour vrai, sincère et authentique. Chut, Caron, c'est mal joué ce truc. Tu sais bien, cesse d'utiliser enfin, ils ont les boulots au moins. Pour te protéger, Stacy. Je trouve que c'est de Julie. Julie, c'est qui déjà? Ah, salut, grande sœur. Hey. Salut, petit frère. Elle était innocente. Je ne te laisserai pas dire des choses pareilles. Va. Faut que je te parle. J'appelle le chéri. Ah, ok. Bah, je t'écoute. Bon, voilà. Je t'ai dégoté le rôle de ta vie. Il va falloir que t'assures. Non. Mais raconte. Tu sais que je t'ai toujours soutenue, tu le sais ça. Bah oui. J'ai toujours cru en toi, vraiment. Ah, mais t'es la seule, genre. Oui, ne recommence pas à te dévaloriser. Le rôle dont je veux te parler, ouais, ça ne va pas te mettre en tête d'affiche, mais tu vas bien gagner ta vie. Ça changerait. Bon, alors c'est quoi ce rôle? Kidnappeur. C'est quoi? Non, c'est qui? Regardez qui voilà. Un revenant. Salut, Baron. T'as toujours pas changé ton mot de passe? Pourquoi faire? Alors, qu'est-ce qui t'amène? Je suppose que c'est pas une simple visite de courtoisie, après toutes ces années. Exact. Je croyais que tu t'étais rangé. Qu'est-ce que tu veux? J'aime pas l'ordre. Bon, t'as besoin de quoi? Un flingue. Mais c'est juste au cas où, normalement, je te le remets dans une quinzaine. Ok. Une préférence? Un qui fonctionne? Voilà tout ce que j'ai en ce moment. Il y a beaucoup de demandes ces temps-ci. Ouais, le monde va mal. Quand le monde va mal, moi je vais bien. Classique, mais efficace. De toute façon, il est fort peu probable que je doive l'utiliser. Il vaut mieux l'avoir et ne pas en avoir besoin que de ne pas l'avoir et d'en avoir besoin. C'est pas faux. Allez, cours-les ! Espèce d'immonde saloperie putride ! Donne-moi ton... Pitié, monsieur Wilmot, c'est pas possible. Allez, allez, prenez tout ce que vous voulez, mais ne me faites pas de monde. Immonde bourrelet, je suis le Robin des Bois du troisième millénaire. Donne-moi ta poitrine. Oh, oh, pitié. Poitrine, poitrine. Il faut que je m'asseye. Ça va mieux? Ouais, merci. Tu sais, Tahiti, on va peut-être y aller plus tôt que prévu. Ah bon? Tout se passe bien. On va pas en faire un mauvais coup, hein? Mais non. J'aide quelqu'un. Un millionnaire? Papa. Écoute,
L'un essaie de me faire du mauvais sang pour toi. Mais t'inquiète pas, tout ira bien. Ouais, c'est ce que dit le gars qui saute de l'avion sans parachute. Non, jusqu'ici, tout va bien. Vraiment, te tracasse pas. Tu veux qu'on rentre ? Cogno ! Putain de gnon ! Cogno ! Cogno ! Cogno ! J'ai les mains faites pour de l'or, et elles sont dans la merde ! Et quoi ? Putain, cogno ! J'ai les mains faites pour l'or, et elles sont dans la merde ! Dans la merde ! C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. You talking to me? You talking to me? C'est à moi que tu... C'est à moi que tu parles. You talking to me? Mourir. Dormir. C'est tout. Calmer enfin, dit-on, dans le sommeil, les affreux battements du cœur. Quelle conclusion des mots héréditaires serait plus dévotement souhaitée? Mourir. Dormir. Dormir. Rêver, peut-être. Ouais. Bon, allez. Un dernier petit film et au lit. Ça a été ta journée? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je sais pas. C'est histoire de faire la conversation. Ça fait des années que nos conversations se résument à tes monologues. C'est même pas vrai. Encore l'autre jour, je t'ai parlé de cette société que j'ai sauvée. Je t'ai même expliqué. Tout le monde pensait que c'était une course perdue. Moi, je suis arrivé et bam! Je leur ai sorti la tête hors de l'eau. Je t'avais montré la lettre que les actionnaires m'ont envoyée. Et qu'est-ce que je t'ai répondu? Tu vois, un monologue. De toute façon, tu racontes jamais rien. Mange. Ce soir. Ouais, mais bon, je vais te vendre deux paliers à 30 tombes de chaque soir, ça commence à bien faire. Ouais, mais il faut pas baisser les bras, hein. C'est pas un spectacle super facile, mais ça, on le savait. Tu préfères aller jouer au théâtre des galeries? Non, bah moi non plus. Ouais, mais ici, on paye pour faire notre métier. Ouais, il faut être opiniâtre. Hein. C'est pas ton opiniâtreté qui va me rendre les 500 balles que je t'ai prêtées. Ouais, t'inquiète, dans pas longtemps, je te les rends. J'ai un plan, ok? Et on pourra enfin songer à Hamlet. Être ou ne pas être dans la merde. Ah, je te dis que j'ai un plan. Bonsoir. Alain. Ouais, c'est moi. Vous êtes... Ouais, je suis. Bon, ben, à demain. Ouais, à demain. Salut. Vous avez vu le spectacle? Non. Vous aimez pas le théâtre? En général, le théâtre, c'est des gens qui crient sur des planches qui grincent. Bon, écoute-moi bien. Je suis obligé de me coltiner ta tronche. J'ai pas le choix. Alors tu vas faire exactement ce que je te dis, c'est compris? Oui, oui, bien sûr, monsieur. Moi, c'est Bernard. Moi, c'est Alain. Je sais. Bon, on va faire ça jeudi prochain. On chopera la nana quand elle sort du resto.
J'ai déjà fait tous les repérages nécessaires. Tout ce que je te demande, c'est de me trouver une bagnole discrète avec un grand coffre. Tu peux faire ça? Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, la nana, tu la reconnaîtras? Bah ouais, pas de soucis. Je vais assurer comme une bête. Mais qu'est-ce qui va pas, Chou? Qu'est-ce qu'on a fait? Quoi? Enfin, chérie, on n'est pas des bandits. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Le Robin des Bois du troisième millénaire. De toute façon, on peut pas faire marche arrière. Enfin, chérie, avoue que c'est débile. Il y a des gens qui se font virer tous les jours. C'est pas pour ça qu'ils kidnappent la femme de leur boss. Oui, mais ça met un peu de piment dans la vie. Charlotte, si tu veux du piment, je vais t'acheter du tabasco, tiens. Bon, bah, si tu veux donner raison à Bourlet, lui montrer que t'as pas d'envergure, que t'es pitoyable... Mais non, c'est pas ça. Bah, alors arrête d'être agacé. Mais imagine que Bourlet ne donne pas la rançon. Comment on fait pour le payer, l'autre type? C'est pas avec ton salaire de bénévole que... Bah, on avisera, à ce moment-là. T'es toujours optimiste, toi. C'est aussi un peu pour ça que tu m'aimes. Moi aussi, fils. Bon, je récapitule une dernière fois. Quand la nana sort du resto, tu la suis. Tu t'arranges pour la faire venir dans la ruelle où je serai, prêt à l'endormir. On la fout dans le coffre et on se casse. Bourlet nous amène la rançon, on lui rend sa femme et on continue nos vies chacun de notre côté. Est-ce que c'est clair? Bah oui, t'inquiète. T'es sûr que ça va aller? Bah ouais, putain, t'es lourd. Pas compliqué quand même. On peut? Box. Ah putain, je sens que cette journée va être longue. Tu veux qu'on échange, ok? Tu prends la femme de Bourlet, je prends le frigo box. Cet endroit. C'est pas les endroits abandonnés qui manquent. Tous ces bâtiments en ruine à cause de putains de spéculateurs immobiliers. Ouais. Et qui spécule ose. Et c'est à personne? Aujourd'hui, c'est à nous. Amen. Bien. Non, peut-être. Les bières belges comptent parmi les plus variées et les plus nombreuses collections de bières dans le monde. Des blondes, des brunes, des ambrées, enfin, on pourrait en parler des heures. Mais rien ne vaut une bonne dégustation. Et comme je dis toujours, la pression, il vaut mieux la boire que la subir.
Un petit coup de trop peu. Je fais des pistolets aussi, t'en veux? À quoi? Il y a américain, poulet andalouse ou jambon. Américain. Tu n'es pas allé un peu fort sur le chloroforme? Bon. Allez. Showtime. Ça va? J'ai pas le réseau. Pas moi non plus. Bon, tu la surveilles, j'arrive. Ouais, ouais. Pas de panique, tout va bien. Enfin, pas de panique. T'as soif? Oh, fourte. Allô? Monsieur Bourlet? Lui-même. Écoutez-moi attentivement. Nous avons kidnappé Madame Bourlet. Quoi? Si vous voulez pas qu'il lui arrive quelque chose, voici ce que vous allez faire. Vous allez ouvrir le coffre qu'il y a dans votre bureau. Mais je suis pas dans mon bureau, là. Vous allez y retourner, alors. Vous allez prendre tout l'argent qu'il y a dans ce coffre. Ça doit faire plus ou moins 500 000 euros, si mes informations sont correctes. Mais... Je vais vous envoyer par SMS l'adresse où vous allez amener cet argent. C'est une vieille église abandonnée. Inutile de vous dire que si vous appelez la police, Madame Bourlet ne sera plus qu'un souvenir. Puis, je vois pas très bien comment vous expliqueriez tout cet argent. C'est pas bien de détourner les fonds de sa société. Quoi? Mais... pas du tout. S'il vous plaît. Vous avez 90 minutes. Après ce délai, je couperai un doigt de Madame Bourlet toutes les 10 minutes. Non. Ça... Ne lui faites pas de mal. Laissez-moi lui parler. Là, ça va pas être possible. Je veux lui parler. 90 minutes. Tic-tac, tic-tac. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? On a kidnappé ma mère. Les flics? Non, et puis te mêle pas ça! Pierre-Alain. Ouais, Joséphine, c'est horrible. On a kidnappé ma mère! Pardon? On a kidnappé ma mère! Et en plus, on me demande une rançon! Alors, ça, c'est l'excuse la plus pourrie que tu aies trouvée. Quoi? Je sais pertinemment bien que tu es encore avec ta pétasse française. Mais non, enfin! Bonne baise. Allô? Oh putain! Je te jurais, pourquoi c'est pas elle qu'ils ont kidnappée? Alors? Tout bien. Pourquoi tu lui as tapé la bouche? Bah. On sait jamais, hein?
très bien que Lucie et moi n'avons jamais... Allons les enfants, du calme. Nous sommes des gens civilisés ici à Townville. Alors, expliquez-moi chacun à votre tour et dans l'ordre. Allô ? Madame Bourlet ? Oui ? C'est Joséphine ici. Oh Joséphine, je t'ai déjà dit 1000 fois de m'appeler Hortense. Oui. Vous allez bien ? Oh, oui. Aucun souci, rien à signaler. Bah, tu sais, comme de vieilles gens. Oui, hein, je sais. Bonne soirée. Allô ? On a kidnappé ma mère. Espèce d'enculé de grosse fiotte de merde. Gros connard de raclure d'égout. Orchidoclaste nodocéphale. Coprolite. Ça fait du bien. Ils vont voir à qui ils ont affaire. Bonne fin de journée, monsieur Bourlet. Oui, bonne fin de journée, Jacques. Combien t'as dit qu'il y avait dans le coffre ? J'ai rien dit. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On veut pas vous faire de mal. Là, je vais retirer le tape de votre bouche. Et t'as pas intérêt à crier, hein, sinon je t'en colle une dont tu te souviendras longtemps, t'as compris ? Espèce de crétin. Ça va aller, oui. C'est bon, Alain. Mais merde, faut pas dire non, non, t'es con ou quoi ? Enfin, si tu l'avais fermé, Alain, ça aurait pu être un alias. Vous êtes qui ? Vous voulez quoi ? Calmez-vous. Je vous ai dit, on veut pas vous faire de mal. Là, on va attendre sagement le pognon, et ensuite, tout le monde repartira gentiment chez lui. Le pognon ? Mais la rançon, quoi ? Quelle cruche ! Vous, je vous permets pas ! On se calme. Oui, parce que tu sais pas à qui t'as affaire, hein ? Tu te souviens, il y a 2 mois, ce politicien qui s'est fait démonter la gueule ? Ben, c'est moi qui ai fait ça. Comme un ninja, je me suis introduit chez lui par une fenêtre. Il m'a pas vu arriver, comme un aigle sur sa proie. Alors, il a bien essayé de se défendre, mais en 2 temps 3 mouvements, je lui ai fracassé la tronche et je me suis évaporé, comme si j'avais jamais été là. J'étais déjà loin, mais j'entendais les cris de sa femme dans la nuit. T'exagères un peu, là, non ? Qu'est-ce que t'en sais, t'y étais ? Oui, bonsoir, c'est pourquoi ? Laisse tomber. Mais avance, trou du cul. Vous avez soif, faim ? Je veux bien boire, oui. Je vais vous poser une question. Je vous écoute. Vous avez demandé à qui la rançon ? À ton prof de yoga ! Putain, je la préférais avec le tape sur la bouche. Tu trouves pas que t'en fais un peu trop là ? Et quoi ? Tu sais, c'est le stratagème du good cop, bad cop. On n'est pas des flics ! Ouais, mais ça peut s'appliquer dans ce cas-ci aussi, hein. Tu sais, quand ma sœur m'a dit qu'on allait bosser ensemble, je me suis super bien préparé. Hey, t'as vu l'anecdote avec le politicien ? Cool, non ? Juste à partir d'un truc que j'ai vu aux infos. Ouais, tu connais l'Acteur Studio ? C'est un cinéma à Bruxelles ? Non. Enfin, oui, mais c'est pas de ça dont je te parle. Là, j'ai regardé plein de films pour rentrer dans le personnage. Le personnage ? Ouais. Celui du kidnappeur ? Fargo ? Réservoir Dogs, Payback, Casino... Tu aurais dû revoir le mécano de la Générale. Pourquoi ? C'est un film muet, tu aurais fermé ta gueule. Quoi ? Tu trouves que je surjoue, c'est ça ? Parce que moi, le jeu, j'ai ça dans le sang. Ouais. C'est dommage que tu aies une mauvaise circulation. T'en veux une ? Une quoi ? Une chips. Ah, un chips. Bah non, on dit une chips.
Non, un chips. Ah ouais, d'accord. Et quoi, tu dis un prout aussi? Mais non, une prout. Un P, une prout, mais ça n'a rien à voir. Bah, de toute façon, on dit des chips. Ouais, mais on dit ils sont bons. Elles sont bonnes. Tiens, et Lumpia? Quoi, Lumpia? Un ou une? Bah, un, évidemment. Bah non, pas évidemment. Moi, je dis une Lumpia. N'importe quoi. Bah, c'est une crêpe frite, une Lumpia. Bah, les chips, c'est une pomme de terre. Et puis, ça tient pas ton raisonnement, hein. Les nems, c'est des crêpes frites. Oui. Ah bah, on dit un nem. À moins que tu dises une nem, peut-être. Non, non, un nem. Ah, voilà. Ça se tient. Bon, les frères, ta loge, c'est fini, oui? Avancez, putain! Selon Ingrid, fournisseur mondial des informations trafic, Bruxelles est la ville la plus congestionnée d'Europe, avec une moyenne de 58 heures perdues dans les bouchons par an. Les dirigeants font tout pour privilégier les transports en commun, le tram, le métro, le bus, qui ne cessent d'augmenter leurs prix et qui sont rarement à l'heure. Et on n'a plus après minuit, sans parler du projet RER, début des années 90, prévu en 2002, qui ne cesse d'être retardé. Dis, tu vas faire quoi, toi, avec le fric? Ça te regarde pas. Bon, allez, dis-moi. Bon, je sais pas combien je vais avoir et tout, mais... moi, je vais l'utiliser pour bien monter mon spectacle. Être enfin payé pour mon boulot. Louer une belle salle, faire une super promo. Ça parle de quoi, ton spectacle? Ça t'intéresse? Non. Mais bon, comme on est coincé ici... Hamlet. Ça a déjà été fait, non? Ouais, enfin non, pas comme moi je voudrais le faire. Tu sais, Hamlet c'est intemporel. Il y a tout dans cette pièce. La confiance, la jalousie, l'amour impossible, le doute, les rapports humains. C'est super moderne en fait. Mon rêve, c'est de dépoussiérer ce texte sublime. J'ai vu la pièce montée par différentes compagnies, mais à chaque fois je me suis dit, on fait pas d'Hamlet sans casser les couilles. Moi, je voudrais incarner Hamlet comme il a jamais été incarné. Être enfin pris au sérieux. On le prend pas au sérieux? Bah, par exemple, les directeurs de casting, ils ont aucune imagination. Quand il faut un beau mec pour tourner une pub de merde, vas-y que je t'appelle. Quand il s'agit de vrais rôles, il y a plus personne. En plus, côté subside, c'est le néant. Bah, ça, politique culturelle belge, c'est trois mots qui vont pas ensemble. Hein. Enfin, de ce côté-ci du pays, parce que les Flamands, ils sont bien en avance. Bah, va bosser avec les Flamands. Bah ouais, mais je pète pas un mot. Ça s'apprend une langue. Ouais, mais le flamand, quoi. Ah, ça me rappelle une blague. Au commencement était le verbe. Puis les Flamands l'ont mis à la fin. T'es stock knees en mouillock, hein. Ah, parce que t'es bilingue, toi. Mais perfect. Marek Domen best. Ouais, enfin... J'en ai marre. Ça fait des années que je rame. Bah... T'arriveras bien par atteindre la plage un jour. Bon, et toi? Moi quoi? Bah raconte, tu veux faire quoi? Tu sais, j'ai passé les 40 balais et qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Là, depuis quelques années, j'aide des gamins à s'en sortir, mais... Nos dirigeants ont trouvé que ça n'en valait pas la peine. Allez hop, circulez, y a plus rien à voir. Ah. Puis y a mon père. Quoi ton père? Il est malade, je m'en occupe. Mais qu'est-ce qu'il a? Cancer. Mais tu peux utiliser le fric pour le faire soigner? Incurable. Non. Avec ce fric, j'aimerais bien réaliser son rêve. Et c'est quoi? Quand j'étais gosse, il m'a montré les révoltés du Bounty avec Marlon Brando et puis il m'a dit qu'un jour on irait vivre là-bas. Sur le Bounty? Mais non, à Tahiti. Ah ouais? Et tu vas faire quoi là-bas? J'avais pensé ouvrir un frite-côte. Attention, pour faire une bonne frite, cela nécessite deux cuissons. Une première de 5 à 6 minutes à 160 degrés. Vous égouttez et laissez reposer pendant 15 minutes. Ensuite, vous portez la température de la friteuse à 180 degrés. Vous replongez les frites jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Vous égouttez, vous servez et n'oubliez pas le sel. Parce qu'une frite sans sel, c'est comme une choucroute sans croûte.
Et t'es sûr qu'ils ont envie de manger des frites et des fricadelles à Tahiti, avec la chaleur et tout Je sais pas. Ça a le mérite de pas exister, enfin, je crois. J'appellerais ça Made in Belgium. Ouais, bah, c'est sûr, hein. Pour eux, ce sera exotique. T'es sûr que ton frère... T'inquiète pas. Il est super bien préparé. Y a aucun souci. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un pistolet? Au pruneau? Mais non, t'inquiète, c'est pas un vrai. Mais ça va pas la tête. Mais c'est un flingue à blanc. T'es pas bien, toi. C'est un pote metteur en scène qui me l'avait prêté sur un spectacle qui parlait de... Mais on s'en fout! Tu te crois où? Mais quoi, c'est pas un vrai, je te dis. T'es complètement à la masse. Je me suis dit que ça m'aiderait à rentrer dans le personnage. Range ça tout de suite. Ouais, l'autre. Allez, c'est cool, non? Non, c'est pas cool. Range ça! Rabat-joie. Vous êtes arrivé. Vous êtes arrivé. Vous êtes arrivé. Mais non, on n'est pas arrivé là. Putain, on est nulle part. Bonjour monsieur. Oh, vous êtes perdu vous. On ne peut rien vous cacher. Est-ce que vous connaissez cette adresse? Si je connais. Oui, je connais. Alors ici, vous allez continuer tout droit, ok? À un moment donné, hein, vous allez voir sur votre gauche une petite chapelle. Juste à côté, il y a une rue qui part vers la forêt. Ok. Vous n'en prenez pas. Vous allez continuer tout droit, genre 1 km, 1 500 km. Et puis vous allez voir sur votre droite un petit chemin. Et je ne prends pas non plus. Si, là vous le prenez. Et puis vous allez arriver à une fourche. Attention à la fourche. Sur le chemin de gauche, vous apercevrez plus loin des étables. Ok? Mais vous n'y allez pas. Vous prenez le chemin à droite. À la fourche? Ah mais oui, à la fourche! Et je crois bien que c'est là. Ok. Bon, merci, bonne fin de journée. À vous aussi, bonne journée monsieur! Et on the road again! Vous êtes arrivé. Ta gueule! Vous êtes arrivé. Vous êtes arrivé. Ta gueule! Vous êtes arrivé. Tu sais que c'est mauvais pour la santé? C'est des mecs comme toi qui sont mauvais pour la santé. Qu'est-ce que je t'ai fait? Sois cool, on est une équipe. Non, on n'est pas une équipe. C'est juste moi, obligé de me farcir un comédien de mes deux qui se prend pour Robert De Niro. Si je devais choisir, je prendrais plutôt Al Pacino. Hé, hey, cognon! Mes mains sont faites pour de l'or et elles sont dans la merde. Mais ferme-la. Oui, ça va, j'arrive, je suis presque là. C'est vrai? Tu viens? Hein? Ah, j'avais pas vu que c'était toi. Allô? Attends, je t'entends pas là, allô? Je t'entends moi, allô? Tu m'entends? Je t'entends mais mal. Tu as des nouvelles de ta mère? Bon, écoute, je t'ai dit, mon petit sucre, ne te mêle pas de ça. Mais tu n'as pas appelé la police? Tu vas les affronter tout seul, hein? C'est excitant. Mon Bruce Willis à moi.
Oui, bon, écoute, je dois y aller, là. Hein. Fais-les souffrir, mon lion. Oui, voilà, c'est ça, je vais faire ça. Bisous, bisous. Oui, bisous. Ah, mon bro, suis-lisse à moi. Bisous, bisous, bisous. Ta gueule. Mais qu'est-ce que tu fous? Allez, mets-toi là. Bon, je vais rentrer là. Dépose le pognon. Mais c'est pas ma mère. Ben non, c'est ta femme. Non. Comment ça, non? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Dépose le pognon. Et c'est qui, elle? Mais c'est ta femme, putain! Me dis pas que tu t'es gouré de femme en plus. Dis-moi que c'est ton mari. Mais non, pas du tout, je l'ai jamais vu, moi, Steve. Je suis même pas mariée. Et quand j'ai crié Madame Bourlet, tu t'es retournée? Madame Bourlet? N'oublie pas, un dimanche, la soirée Tupperware. Van de Kerckhove, je m'appelle Sandrine Van de Kerckhove, pas Bourlet, c'est nul ça comme nom. Oui, ça va, Van de Kerckhove, c'est pas non plus. Mais t'es vraiment un gros naze. Non mais ça va, tout le monde peut se tromper, hein. En même temps, moi la femme de ce type, je l'avais croisée qu'une fois, alors. Bon, ben moi je vais y aller, hein. Hop, 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 tu bouges pas. Tu vas déposer ce sac. On se calme. Fais-moi le mal maintenant, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Il s'agit d'un Browning GP, produit par l'entreprise belge FNR Stahl depuis 1935. Et tu me faisais des leçons de morale parce que j'avais un faux flingue? Parce que c'est un faux? Non. Tiens, prends ça. Une histoire belge, dont là-bas, sur l'autre berge, il n'y a guère que Belzébuth qui connaissent déjà la chute. Ma vie n'est qu'une histoire belge, je sortirai ma flamberge pour oxyre
le malandrin qui rira outre qui ira. Ma vie n'est qu'une histoire belge. Je ne suis pas sorti de l'auberge, mais je m'incrusterai pas d'ailleurs. Les plus courtes sont les meilleures. Ma vie n'est qu'une histoire belge. Ça va faire 55 berges. Bientôt que je me la raconte. Ma vie n'est qu'une histoire belge. Tout ce temps que je gamberge, on approche du terminus. Je n'ai pas saisi l'astuce.
Belgique, ô mère chérie, à toi nos cœurs, à toi nos bras, à toi notre sang, ô patrie, nous te jurons, tous tu vivras toujours grande et belle, et ton invincible unité aura pour devise immortelle le roi, la loi, la liberté. Le roi, la loi, la liberté. Le roi, la loi, la liberté. Tam, tam, tam. Coupé, nickel.